Avec Géraldine Demory. Géraldine, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Un jeu vidéo sort aujourd'hui, il s'appelle Bi-Simulator, pour voir le monde à travers les yeux d'une abeille. Et oui, vous êtes une petite abeille, sans vous, la vie sur Terre ne serait pas possible. Et vous allez devoir protéger la ruche de ses nombreux ennemis, frelons, guêpes et surtout évidemment les humains et leurs insecticides. L'intérêt du jeu, clairement, il est éducatif. Le jeu a d'ailleurs été conçu avec l'aide d'apiculteurs pour être le plus proche possible de la réalité. Très coloré, très facile à prendre en main. À chaque jeu acheté, 1 euro est reversé à la fondation Good Planet. L'inconvénient du jeu quand même, c'est que comme notre petite abeille, on va avoir tendance à vite tourner en rond. Oui, les jeux vidéo sont de plus en plus nombreux à parler d'écologie. Ça marche en plus. Et ça va faire un carton à Noël, je peux déjà vous le dire. Par exemple, vous avez le très beau jeu Never Alone qui est sur PC et Never Alone, lui, parle de la préservation de l'Arctique. Vous incarnez un petit Inuit et tout au long du jeu, vous allez glaner des informations sur ce peuple qui est menacé par la fonte des glaces. Il est vraiment très très beau. Le jeu Nuage qui est sur Android, 100% gratuit, créé par une jeune équipe française. Là, vous vous retrouvez dans une ville qui suffoque sous un épais nuage de pollution. Ce sera à vous de trouver les bonnes actions pour retrouver un air pur dans la ville. Même Fortnite s'y est mis. On ne présente plus le jeu. Si, si. Alors, c'était une action temporaire avec l'association WWF. Il y a eu le Noble Challenge. Énorme buzz. Les joueurs devaient gagner sans exploiter les ressources naturelles, ce qui est quand même le principe de base du jeu. Donc ça a très bien marché. Ça a permis de récolter plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'association. Résultat, il y a d'autres opérations de ce type qui sont en projet. L'industrie du jeu vidéo est tout sauf écolo, pourtant. Ah bah, si on additionne la consommation électrique de tous les joueurs de PC et consoles sur un an, ça donne l'équivalent de la production en électricité de 10 centrales nucléaires. La faute à des machines toujours plus puissantes et des jeux vidéo dignes de super productions hollywoodiennes. Et ça encore, c'est sans parler de l'explosion du streaming qui demande des data centers ultra gourmands en énergie. Les choses devraient quand même changer. Une vingtaine d'entreprises comme Sony, Google, Twitch ou Ubisoft ont signé un texte le 22 septembre pour un jeu vidéo plus écologique. C'est l'initiative Playing for the Planet, jouer pour la planète. On attend maintenant les actes.